tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas encore vu de sombrale aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous en prendre 3 nouveaux sortilèges, 3 nouveaux tutoriels. Par contre, mes amis sorciers, pardonnez-moi pour cet accoutrement, mais il fait tellement chaud à Poudlard, il faut que je m'aère un petit peu. C'est parti pour les sortilèges. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre le Petrificus Totalus. Je vais également vous apprendre le sortilège de Lumos, un sortilège d'éclairage très commun dans notre monde des sorciers. Et pour finir, je vais vous apprendre le sortilège que j'affectionne tout particulièrement, le sortilège d'Expelliarmus. Je vais donc vous apprendre en premier, cette fois-ci, le sortilège du Petrificus Totalus. C'est un sortilège plutôt simple que j'ai entendu la première fois par mon ami Hermione Granger en première année. Pour ce faire, vous aurez besoin de 1. Votre baguette et de... ben c'est tout. Alors le geste à accomplir pour le sortilège de Petrificus Totalus, c'est... un soubresaut comme d'habitude quoi. La formule est comme son intitulé, Petrificus Totalus. Répète après moi, Petrificus Totalus. Non, j'ai dit Petrificus Totalus. Répète après moi, Petrificus Totalus. Parfait. Le problème c'est que je n'ai personne sur qui le pratiquer. La dernière fois j'étais avec Ron et ça s'est très bien passé, mais là je n'ai personne. Oh. Mais bonjour Harry, belle journée. Oh, professeur Dumbledore, quelle surprise! Attendez, professeur Dumbledore! Petrificus Totalus! Arrête, oh mon dieu, merde! J'ai des gros soucis! Merde, il y a les préfets qui me suivent. Faut que j'aille me cacher. Faut que j'aille me cacher à la cabane hurlante! Je vais me cacher à la cabane hurlante! Venez! Oh, vous êtes là! Ça y est, j'ai semé les préfets! J'espère vraiment qu'ils me retrouveront pas, je suis dans la cabane hurlante! J'ai paumé mes lunettes en venant, je sais pas où elles sont, je les ai fait tomber. Harry Potter, j'ai des lunettes. Bellatrix Lestrange. Ah, qu'est-ce que tu fais ici, Potter? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Désolé, je suis vraiment désolé, je vais vous expliquer. Tu as intérêt à tout expliquer? Potter, qu'est-ce que tu fais ici, chez moi? Alors, vous fâchez pas, je vous en prie. Voici mes élèves. Des élèves en difficulté. Je suis leur professeur, je leur apprends des sortilèges. Et qu'est-ce que tu leur as appris comme sortilège? La leçon d'aujourd'hui, c'était le Petrificus Totalus. Le Petrificus Totalus! Mais c'est de la merde! Moi, j'ai quelques sortilèges à vous apprendre. Le premier sortilège sera le sortilège d'Impero! Mais non, c'est un sortilège impardonnable! Justement, Potter! C'est ce qu'il y a de plus drôle! Le sortilège de l'Imperium est un sortilège qui vous permet de faire ce que vous voulez à la personne à qui vous le lancez. Attendez, on est tous les deux? Non, attendez, je vous en prie, laissez-moi... Viens là! Donc les enfants, nous avons notre copain. Qu'est-ce que c'est? Du rouge, du jaune, du fond d'or, c'est de la merde! Un peu de vert sera un peu mieux. Je vous en prie, arrêtez! Oh, Potter, calme-toi, on va s'amuser ensemble. Alors les enfants, nous allons faire le sortilège de l'Imperium, comme diraient certaines personnes. N'oubliez pas le soubresaut avec votre petite incantation. Imperium! Potter! Mais pourquoi tu te frappes? J'en sais rien! Ce serait plus drôle comme ça! Allez, allez, allez! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais à terre, Potter? Lève-toi! Je vous en prie, aidez-moi avant qu'elle appelle Voldemort! Viens! Il a osé dire son nom! Il a dit son nom! Viens là, Potter! C'est quoi cette chose? Mais qu'est-ce que c'est? Bellatrix! Maître! Maître! Regardez ce que j'ai trouvé!